faut limiter le plus possible les transitions inutiles. Donc le tag juste pour jouer au ballon pour se remettre, on évite. Et on joue le plus possible vers l'avant. Ok ? Deuxième point, la combativité. Ce qu'on n'a pas depuis le début de l'année. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que par rapport aux équipes contre qui on joue, on manque vraiment de combativité. On l'a même par réaction. Avant qu'il touche le ballon, on est déjà en train de le faire chier pour qu'il ouvre son contrôle. Parce que ça, on le fait absolument pas. À chaque fois, les mecs qui touchent le ballon, ils ont le temps de se retourner, de vérifier à droite, à gauche, de mettre un bon ballon. C'est trop facile pour eux, les gars. Donc au milieu, vraiment, 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 faut leur entrer dedans. Juste y aller ensemble, en fait. On perd et on gagne ensemble. Il faut y aller ensemble, c'est tout. C'est tout. Et donc bien se parler, et donc s'encourager. Au final, parle-lui mal, il a raté un truc, il a pris un but à cause de toi. Très bien, bah tu fais quoi? Soit tu l'enfonces, soit tu le relèves et on y va ensemble. Et on va chercher quelque chose de plus beau. C'est simplement par là que ça doit passer. Ensemble. Il faut qu'on a envie de voir avec Maxime et on se fait la réflexion depuis 3 semaines, 4 semaines. Et mouiller le maillot, les gars. Oh, viens, on enlève tout le contexte qu'il y a autour. Viens, on rentre dedans tous ensemble, on se bat ensemble, quitte à perdre. Mais avec un peu d'orgueil. Avec un peu d'orgueil, les gars. Ça fait quelques matchs qu'on gagne pas et qu'on prend pas de plaisir et aussi qu'on vous donne pas de plaisir, ça veut dire faut qu'aujourd'hui on montre qu'on ouais, on est plus KFC cousin. Je suis là Max. Le terrain c'est comment? Le terrain il est bossu un peu, tu connais, hein, comme le crâne de certains, mais bon. Ça devrait aller, ça devrait aller. Donc dès le début, on rentre dedans et on les gêne. Ok les gars, après on se fait plaisir, on joue au foot.
Ça fait plaisir parce que votre première mi-temps, c'est vraiment à l'image de votre entraînement jeudi, encore une fois. La combativité, là, on voit que vous êtes vraiment une équipe, vous battez ensemble, ensemble. Vous voulez que je vous dise ? Ça parle pas. Ça parle pas, et ça, j'adore. Ça joue au football. Et quand vous jouez au football, vous êtes bon. Et quand vous êtes bon, vous marquez des buts. C'est ça qu'on veut, les gars. Donc, encore une fois, il faut rentrer dedans tout de suite. Tout de suite. Deuxième mi-temps, on arrive fort. Wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name, big been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffee. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell him, Osialis, flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you wanna, cause the game's enormous. What's an ass, since she isn't gorgeous. Live my life last name, a Morgan Freeman. Tryna touch a forest, do not know we're knocking on the door. This came in, I came in, I came in. Did it like the Porsche's coming in. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright, coming in. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10, 10, 10. Yeah.
Réaction pour le but. J'ai aidé l'équipe parce que le 88 il luttait. Il a mis deux buts, tu crois que c'est CRC quoi. C'était pas trop mal là de voir un peu d'intensité, je sais pas c'est parce qu'on joue les premiers ce week-end, mais il y a de l'intensité sur les tours, il y a des gens qui tournent, il y a des gens qui font des petits ponts. L'expérience ça dure. Les gars, très très rapidement, il y a le site Ma Carte Fut qui m'a contacté, ils m'ont dit on voudrait faire des cartes de quelques joueurs du Vince KFC, des cartes Ultimate Team, aux couleurs du club. Elles sont magnifiques. J'ai dû choisir du coup 4 joueurs, c'était difficile, j'en ai pris un par ligne, il y en a un qui est pas là ce soir. Mais à chaque fois que je donnerai une carte, je demanderai que vous applaudissiez parce que c'est des joueurs qui méritent. Ça, non, j'ai pas donné de carte. Le premier joueur. Oh, on est un peu ballon d'or, on dirait. Nommé est. Dylan Capigna. Ballon 74, t'es sûr? 61 physique. Alors par contre les notes on rapidement la note. Non vitesse physique, 61 physique. Non, c'est pas. Vitesse. Je pas perdu, frère. Oui, mais c'est vrai, c'est... Je pense qu'ils ont pas regardé les mêmes matchs que nous. Parce qu'il y a des stats qui sont erronés là. Nero. Il a plus un tir. C'est ça parce qu'il a un seul épée. Alors il est absent ce soir. Paul. Ouais, il est cheaté un peu, Il est cheaté de ouf. Herman. Le Priyachi. J'ai pris un joueur par ligne et du coup Herman le gardien. Merci beaucoup. Saison. Bravo les gars. Seul. Je suis venu faire un petit coucou à mes anciens coéquipiers. Raconte-nous un peu où est-ce que t'es et tout ça. Là, cette saison, j'ai signé au FC Franconville en Régional 2. Ça se passe bien? Ouais, bah après, quand t'arrives dans un club et que t'as quelqu'un qui est en place déjà, bah il faut montrer au coach que voilà, hein, t'es capable. Donc là pour le moment bah, c'est un peu compliqué forcément début de saison. Je joue pas mal avec la réserve. Je m'entraîne. Enfin je suis dans le groupe R2. Hein. Après voilà, ça va... faut prouver. C'est vénère de fou dans les vestiaires parce qu'en fait il soulevait le fait qu'il y avait pas assez de monde à l'entraînement. Vous ratez tous vos contrôles et vos passes. Vous savez ce que c'est ça? C'est quand vous êtes 6 à l'entraînement. Et c'est vrai que ces derniers temps il y a un peu moins de monde. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de travailler là-dessus. Tous les lundis soir, ce qu'il faut savoir c'est qu'on stream sur la chaîne du Vince KFC pour parler du match de la veille. Et il y a pas mal de gens dans le chat qui nous ont parlé d'une application qui s'appelle Sport Easy. Donc on a voulu tester, on a installé ça, on a demandé un peu à tous les joueurs d'installer cette application. Il y a beaucoup de clubs qui commencent à l'utiliser. C'est une appli pour mettre les entraînements, les convocations des matchs, etc. Parce que les gens ils disent s'ils sont là ou pas là et ça aide un peu. Surtout que là on voit, on est pas mal à l'entraînement ce soir donc je pense que ça a dû quand même aider. Je pense qu'on va l'essayer plusieurs semaines et on verra, on fera un retour pour vous dire si c'est cool ou pas. Justement la fois j'en parlais avec Romain, cette application j'ai l'impression qu'elle a été faite par des mecs qui s'y connaissent et qui ont été joueurs ou entraîneurs parce qu'elle est vraiment archi complète. Noël du Vince KFC dans peu de temps. D'ailleurs si Sport Easy passe par là, n'hésitez pas voilà, à faire un petit coucou, hein, peut-être les créateurs de l'application. On verra ce qu'il y a en tout cas dans les prochaines semaines. On est le 30 et ce dimanche on joue face à HR qui sont premiers. Et voilà, un petit peu ton avis par rapport à ce match, ce qui va quand même
petit tournant pour cette saison quand même, un premier tournant. Ça va être un match intéressant. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique là, avec déjà le bon week-end en équipe qu'on a passé, la victoire il y a deux semaines. On fait des bons entraînements. Ce que j'allais dire, il n'y a pas que les matchs, aussi les entraînements, une bonne dynamique. On est sur une bonne dynamique depuis 2-3 semaines, donc c'est cool. Avec le coach, on est grave content et espérons que ça dure et que ça, surtout ça se voit. Qu'importe finalement le résultat, même si c'est toujours cool, l'état d'esprit et la combativité. J'espère que ça ira. C'est vrai que c'est super important. Tu dis, je pense qu'il sera d'accord avec toi. Ah bah, allez les gars, allez. Grave d'accord avec lui, toujours. Mais ça change rien, de toute façon les demi-temps ça va être la même chose. Ils comprennent jamais rien, je suis fatigué. Surtout que je t'ai pas interviewé pour un... Mais c'est vrai, mais en fait tu me négliges. Mais non, moi je t'ai rien dit. C'est pas ça, c'est que je te vois trop en fait. Je t'ai rien dit. Je te vois trop, du coup je me dis vas-y, j'en ai marre de lui. On se voit tous les jours, mais maintenant... Si je te vois tous les jours et qu'en plus je te vois au montage, vas-y tu vois. J'ai plus le droit à... Tu penses quoi de l'entraînement? Tu penses quoi du match? Et du coup pour ce match de dimanche là? Match de dimanche, j'avoue, là on veut gagner, là on veut montrer qu'on y va. Et donc du coup, là il y a mon coach qui m'engueule, j'y vais. On arrive maintenant à la fin de l'épisode, merci beaucoup de l'avoir regardé. Allez, à très vite et n'oubliez pas, comme un Minsk KFC.